Salut, bienvenue dans ce nouveau Rival Contest sur la Baza. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder la première vidéo de ce concept révolutionnaire. Mais pour les personnes qui ont la flemme de voir la vidéo de 50 minutes, je vais faire une petite explication de ce que c'est. Le Rival Contest est une compétition qu'on a créée. On choisit une arme et à partir de là, on aura 3 épreuves qui vont départager les joueurs. Mais attention, il existe des malus et des bonus. Pour cette édition, on aura 3 joueurs en chacun pour soi. Le premier d'une manche remporte systématiquement 2 points, le deuxième remporte 1 point et le dernier remporte 0 point. La première épreuve consiste à roll 100k de cuivas sur le mode Riven de la Baza. Et pour déterminer qui est le meilleur mode, on ne regarde pas la qualité du mode, non. On va juste comparer les prix avec les modes Riven déjà en vente, ou les modes Riven qui se rapprochent des nôtres, et le mode Riven avec le plus grand prix gagne la manche. Mais du coup, qu'est-ce qu'est la clé de ce Riven Contest? Qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd? Eh bien, on gagne rien du tout. Mais si on perd, le perdant devra faire un mode Endless en solo avec une durée assez longue et verra son stuff imposé par les autres joueurs. Et s'il y a une égalité, il y aura une manche bonus qui sera dévoilée quand on aura besoin. Comme Ralagan a perdu la précédente édition et a raté ses 100 vagues de défense au premier essai, il a que 75k de cuva à roll au lieu de 100k. J'ai 158% de dégâts critiques, 105 de feu, 41,2 de larmes. J'ai 67% de tir multiple, 38 de taille du chargeur et 85 de dégâts critiques. Les Chris. 119 de poison, 206 de dégâts et moins 30 de... Ok, on a tous des modes pas ouf pour le moment. Ok, en fait, Taki et moi on a déjà des rôles d'avance parce que notre mode date d'il y a 3 ans. Ouais. Et moi il date d'il y a 2 minutes. Bref, commençons. En vrai les gars, feu, dégâts crit, poison. T'as quoi là? Hein? Sinon, t'as quoi sinon? J'ai tir multiple, taille du chargeur et dégâts crit. T'as genre en termes de dégâts crit, t'es gagnant ou perdant? Je suis gagnant. Enfin, je suis gagnant dans le nouveau mode. Ouais, prends-le, je pense. Ça va te carrer sur la deuxième épreuve. Alors avant, j'ai 120 de poison, 206 de dégâts et moins 30 de zoom. Mon nouveau mode, c'est 200% de chance de crit, 193 de dégâts et moins 32 de zoom. C'est pas mal quand même. Ah, c'est pas mal, mais l'autre aussi, il est bien. Je vais le prendre, je pense. Est-ce que j'aurai une crit avec? Attends, je vais vite fait compter. 28%, on monte à 70 avec les 150. Ah si, je vais le prendre parce que je monte à 126% de chance de crit avec. Et 126% de chance de crit, j'aurai une crit pas mal. Les gars, c'est mon dernier rôle. Ah ouais, déjà. Dégâts de feu, tranchant. Dernier. Voilà. Ah non, merde! Bon, non. Bah voilà. Attends, plus. J'ai tout rôle. Voilà, donc là c'est le dernier reroll. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Suspense. Y'a rien. On croit en toi. Rien. Dégâts au corps. Ouais, RATP croit en toi. 121% tranchant. Ok, j'ai fini. Après avoir regardé les différents sites de vente d'Horizon, mon mode était estimé à 800 platines, celui de Takitsu à 400 et celui d'Horagan à 200. J'ai donc aisément remporté cette manche. Takitsu prend donc la deuxième place et Ralagan la troisième, à son humble habitude. Nous allons donc pouvoir passer à la deuxième épreuve. Les règles sont simples. Elles se passent dans le simulacre, une vague d'ennemis redoutable est mise en place. Nous n'avons pas droit d'utiliser deux sorts, d'arcane et l'opérateur. Tout doit être fait uniquement avec l'arme. Bref, bonne chance. Bon, pour mon premier round, je prends Koro. Non, je prends Koro, voilà. On va voir. Ouais. Ok les gars, donc là je vais jouer Viral et Feu. Feu pour proc la réduction d'armure de 25%. Et je vais aussi jouer Marteau Pilon pour proc plus de statues et dégâts crit. Voilà. Je vais jouer en Viral sans statut, c'est marrant parce que j'ai pas besoin de chance de statut vu que je compte partir sur un build critique. Tombeau en munitions juste pour faire moins d'aller-retour. Chose classique qu'on a vu avec l'Axeltra. C'est un build classique en soi, et si ça marche pas très bien, je partirai sur
Arbi l'agression de Saturn. Go. Azoak reste en tête de course en finissant premier, Ralaghan atteint la deuxième place et je termine dernier pour ce premier essai. Il était censé avoir un second essai mais on ne peut pas le montrer car le résultat est le même. Azoak gagne donc 2 points, Ralaghan en gagne 1 et je ne gagne rien, ce qui fait que je suis ex-aequo avec lui. La troisième et dernière épreuve est la survie en arbitration. La warframe de chaque joueur est désignée au hasard et toutes les 5 minutes des bonus apparaissent. Pour cette épreuve j'ai revenant Azoak Titania et Ralaghan Trinity. Ok, maintenant on va tous mettre devant l'alarme. Oui, les trucs ont piraté. Et on est actif. Okay. Et let's go. Ça a lancé pour moi. Pareil. Ok, ok. Donc la mission est partie. Oh, j'ai pas fait gaffe à la map. Ça va être mal. Ensuite, c'est ça. Moi, je vais en mettre une. Oh, ça a été là, petit Tania. Attends, c'est un sort humain là. Hein. Avant, ça n'était pas le cas. Ah, je savais pas ça. Ah, ouais, ouais. Oh, ouais, c'est quoi? Je pensais que c'était une map compliquée, mais j'ai une bonne map en fait. Du coup, ça me fait vivre grandement la tâche. Donc, les bonus vont venir à 5 minutes. Bon, alors. L'essence du tissu. Qui de vous deux? Qui de vous deux sera le grand perdant là, les gars? Même Porco, même Porco. Enfin, il y a une grande défaitise de cette deuxième mission encore une fois. Bien sûr que non. Le grand vainqueur. Ah, tu ne seras pas le grand vainqueur, mais. J'en doute. Alors, il y a tellement moyen que je perde moi avec Revenant. Il a qui déjà lui? Il a. Ah oui, Trinity. Trinity, oui. Vous avez combien au système de survie là? 40%. 47%. Ok, je crois que ça corde. 32. J'ai tellement envie d'utiliser la mêlée, c'est fou ça. Pareil. Toutes ces plus infestées qui arrivent au corps à corps là. Alors moi j'ai l'avantage que c'est une grande map, du coup je suis assez safe, mais par contre il y a beaucoup moins de mobs. Ils mettent beaucoup de temps à venir. Bon là, là. Alors, cette petite vague de 20 vagues de désertion là. Ouais, ouais. Attends, bah tu me diras comment ça sera, hein. Écoute. Il y a tellement de points, tu sais qu'il faut, faut prendre des bonus là si tu veux que le rat perde. Ah ouais, je suis premier, c'est hein, à 4 points, vous êtes le dernier pour. Faut qu'on tente les bonus si, si on veut qu'il perde. Ah non, moi c'est le seul moyen. Ah non, je crois qu'on s'est mal compris, t'as qui. Je ne veux pas faire la désertion. Ah non, mais moi non plus, t'inquiète pas. Ah ouais, ils sont entre eux les gars, parce que bon. Mais t'as raison pour. Safe dans cette mission. Pour le beau jeu, j'ai envie qu'il perde. Donc je vais prendre tous les bonus. Ouais, mais on verra ça quand tu les prendras. Okay. On verra ouais, ça quand. Ils arrivent dans 1 minute 10, les gars. On verra quand ce sera le Théno que tu dois pas utiliser. Ok. Ouais. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas joué Trinity, ça fait du bien quand même. T'es en manque? Je crois que. Je crois que je vais. Je crois que je vais legit. Faire en sorte que Trinity soit la première frame à Ombra dans mon inventaire. Oh, je suis mort. Tu du lock là ou Je suis mort vraiment. Oh yes, par contre. Oh par contre, tu sais ce que ça veut dire ça? Dites pas quand c'est 5 minutes du coup. Ok mec, il faut que. Attends, t'es combien dans le classement? Tu. En égalité avec toi.
Là je suis à 4053 alors, hein. Prépare toi. C'est pas mourir comme ça, what the fuck. Je suis suicidé avec un tonneau explosif les gars. C'est sérieux? Ouais, sans faire exprès, il y a un mob qui me rechaîne, je l'ai tiré dessus et hop, mort. Taki, il faut que je te rappelle, faut que je te rappelle un problème. C'est quoi le bonus? Pas de sort principal pendant 10 minutes. 10 minutes? 10 minutes. Ok. Donc tous les deux, c'est pas de 3 pendant 10 minutes. Ok, pas de 3 pendant 10 minutes. Let's go. Donc à 15 minutes, à 15 minutes. Parce que... Je pensais pas, what the fuck. J'aime pas trop avec Yoko, hein. En vrai, c'est faisable parce que dans 10 minutes, il y aura les anciens. 18%. Attends, j'ai mal parlé là. Combien de pourcentage t'es qui? 24. Je me suis allumé les gars. Mais what the fuck? Ça arrive, même au meilleur. Gros misplay. Oh, full naze, Laurent. Énorme misplay quoi! Inattendu! Je pensais au moins faire 20 minutes en vrai là! Ça me prend un peu là, non? Demande au roi du troll ici, là dans la con! C'est pas dans la gamme! Tu veux qu'à faire la désertion, je le sens! Parce que. Point faible de Takitsu ne connaît pas Revenant. Point faible d'Aragad ne sait pas utiliser son Tenno. Je n'ai jamais joué de Revenant quoi! J'ai l'impression. Aragad ne sait pas très bien son Tenno, hein. On voit ça assez souvent. Combien de pourcents de vie? Enfin de. 20. Ok. Qu'est-ce que va? 20 aussi. C'est serré là, j'ai l'impression, la porco. Pas exactement, écoute. On va faire la gamme dans cette désertion en disant putain. Here we go again. Je vais pas faire la même erreur que la dernière fois. Si, bon, on fait la même erreur, déconcentration là, allez, pense à un bon taco 6XL là. C'est quoi le rapport? Je sais pas. Comme ça tu manges. Tu joues pas. Et voilà, la rentabilisation de capsule, les gars. Oh, j'ai eu peur là, j'ai vu un Eximus. C'est de me rattraper. Il me tente d'autres missions? 8038. Pareil. Quelle date de. Ah, vous pouvez jouer safe, hein, parce que sinon ça peut jouer à celui qui tient le plus longtemps de vous deux, hein, donc il y a plus de deux dans la coupe de question. Ah, mais c'est ce qui va se passer en fait, genre. Ça va jouer safe, hein. J'essaie de faire au mieux, quoi. Ça se bat pour une désertion de 20 vagues. Pour farmer un en haut. Ah, si tu perds, tu vas les 20 vagues, t'as toujours pas. Voilà. Bah ouais, mais il faut que je les finisse les 20 vagues, il faut que j'extrais. Ouais, ouais, si t'as un rond plusieurs fois et que t'arrives pas à extraire, c'est vrai que c'est bon aussi. Et toi, quand vous êtes en 2 minutes, hein, toutes les 5 minutes, il y a un bonus qui apparaît. Pas de Tenno pendant 5 minutes. Ok. Ouais, c'est mort. Ah, okay. C'est mort. C'est mort. Je vais essayer, ouais. Mais. Les gars, là, c'est à 15 minutes, si vous faites les 2 bonus, vous pouvez tout réutiliser à 15 minutes. Pas de Tenno pendant 15 minutes, ok. Ça paraît tellement impossible pour moi. C'est là où ça va peut-être crever en fait. C'est soit tu grid. Bah, moi je te déconseille de grid, mais. Dis-toi qu'au pire tu pourras farmer un rond quoi. Oh, j'ai fait utiliser Tenno. Oh là c'est. Oula, j'ai transpiré. Hein. Ouais. En sueur, de porc en sueur. Est-ce que t'as failli utiliser le Tenno ou t'as failli mourir? Les deux en fait. Les gars, ça peut jouer sur un grappe. J'ai peur pour pas grand chose en vrai. Ça transpire des deux côtés, la désertion, une vraie menace. Ouais mais en fait. Allez. Ah. Ça y est, les poissons commencent à arriver là. Ah j'aime pas ça. Ah j'aime pas. Et ça. En plus c'est une sans phéno là, avec les poisons. Pas de quoi tu parles gros. Ce serait quand même con de mourir sur ça parce que vous pouvez pas utiliser votre 3 pour tanker en plus quoi. C'est... 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 Ouais, c'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est risqué quand même. Mais Laura, il faut que je... Ouais, faut que je vais beau jeu. C'est pas que je vais me faire karma sans qu'il y ait. C'est possible aussi, hein. Ça va être un peu s'il y a Xeko. Ah oui, c'est vrai, il y a une mort subite. Il y a une mort subite. Quand on expliquera peut-être si nécessaire. Tu crois une mort subite? C'est... Les couleurs. T'inquiète, on verra.
Juste, petite question hasardeuse, système de survie. 76%. 62, j'ai dit, t'as qui ? Je suis mort ! J'ai gagné du coup. Enfin, pourquoi perdu en fait ? C'est ça qui s'est passé là, vraiment ? Pourquoi ? Je suis désolé de te l'annoncer, mais t'as perdu. Oh, je continue les gars, juste voir où je peux aller avec toi. Ouais, vas-y. En faisant les points, bien sûr. J'utilise pas Tenno. Ouais, vas-y, dis-nous quand t'es à 15. T'as fait pas Tenno, pas de sort principal pour moi ? Non, j'ai rien fait. Quand t'es à 15, t'auras deux bonus qui seront validés, donc t'auras deux points en plus, si tu valides deux, plus un autre bonus qui apparaîtra. À moins que je l'active sans faire exprès, mais il me semble pas. Tu sais, c'est tellement automatique. Ouais, je vois ce que tu veux dire, oui. Pourquoi il a décidé de jouer le grid jusqu'au bout, hein. Enfin bon, je crois qu'il se sent déjà si mal. C'est désertion. Ça va, pourquoi? J'ai l'impression que t'es dans le mal là, t'es dans la sauce un peu. Oh, c'est je suis mort, c'était... Même lui il a pas cru. Oh, c'est marrant parce que... Je me sentais si confiant encore une fois au début de mission. Tyler est mort, hein. Non! Le temps? 14-15. Okay. Toujours pas de Tenno, pas de 3? Toujours pas. Oh, il va monter là, Taki! Bah là, ça fait. Là, déjà, tu gagnes 2 points parce que tu vas être premier dans cette épreuve là. Plus les 2 points que tu vas gagner là, tu vas marquer 4 points là si tu marques 2. Ouais. Bah, du coup, tu seras pas dernier, ça c'est sûr. Ça... Je pars si t'en doutes un peu. Bah, par contre, à 2 points, parce qu'il a marqué 1 point là, il a fait une deuxième. Il a 2 points quoi. Et par contre, tu peux déjà te préparer à subir cette désertion. Oh, j'entends pas adaptation. Ah bah, du coup, 15 minutes. Bah, un autre bonus. Pas Tenno pendant 5 minutes encore. Ok. J'ai plus de balles. J'ai plus de balles. T'as le droit de consommer de munitions. Ok. Okay là, il va marquer 4 points déjà dans cette manche là. Oh là là là. Bah, je scanne même les fragments de céphalon, gros. Je sais pas dire à quel point il sait qu'il a gagné ça. Oh là là, je suis tellement serein les gars, vous avez même pas idée. T'es le premier pour le moment. En fait, tu seras premier forcément. Je partais de si loin. C'est vrai. En vrai, je partais du même pic pour quoi. T'as combien de temps, Taki ? 17-20. Pas de Tenno toujours ? Pas de Tenno toujours. Oh là là, c'est un beau jeu. Beau jeu. Pas de compétences, pas de Tenno, rien du tout. Tu sais, je continue le sans compétences là. Tu peux l'utiliser là. Je sais, mais je le fais pas, j'ai pas besoin. Ouais, ok. Ce qui m'afflige, c'est que je vais devoir revoir ma défaite au montage. Et revoir la désertion que tu vas jouer aussi. Oh là là. Oh, tu régales, pourquoi ? Quand tu vas voir ma mort, t'inquiète pas, ça va te consoler. Tu vas voir ma mort, tu vas faire du what the fuck. En fait, ça me fait farmer là, c'est bien les essences utiles et tout. Oh, j'ai massivement trop le. Je sais où t'as. C'est un mal pour un bien, parce que je me dis que du coup, bah, c'est... ok, j'ai pas beaucoup de temps d'upload. Et c'est... j'ai pas fait pour ça. J'ai pas beaucoup de temps d'upload. Ouais, parce que. Ça fait combien ? Mais vous savez ce qui me carré là ? Vous savez ce qui me carré, je pense, dans cette mission ? Vas-y. C'est roulade parade. Ah là là, tu sais que j'hésite à le mettre. C'est tellement fort, mec, tu peux t'enlever le poison. Ouais, je sais. Si tu peux résister au poison. J'en sais, je suis trop fort. J'étais là, je me suis dit, est-ce que je mets roulade parade ? J'étais vraiment en train de me questionner si je le mettais ou pas. Tu sais que je l'ai mis en rang 10 exprès. Ouais, je l'ai rendu ici. Mais bouge pour ça, tu viens de le monter là ? Ah ouais ? Oh là 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 là, il s'est dit, je l'ai mis 0 tour. Je connais pas la frame, je vais juste faire des roulades. Bah c'est ça, gros. Je me suis dit, ouais, je vais full skill, et puis voilà, nique sa mère. Moi j'hésitais à le mettre. Je me suis dit, ouais, j'ai dit Tania, ouais, je suis assez safe. Je me suis dit, ça va, quoi. Je me suis dit, pour les statues, j'ai le 1. Quelle erreur. Joueur français qui fait une erreur. En fait, là, du coup, ça me fait du temps d'upload en plus. Bon, c'est pas grave, parce que... Je sais qu'il y a ton upload qui est encore pire que le mien. Ça monte le beau jeu, hein. T'as combien de temps ? 19 minutes 51. Tu n'as pas de Tenno ? Tiens, voilà. Ah
tu as marqué 5 points. Et moi, quand t'as 20, t'auras le bonus. 20. Pas de capsule pendant 10 minutes. Bon. Celui-là, il fait mal. On va se calmer, quoi. Est-ce que ça le temps? Non, mais je pense que je vais me suicider, là. Il me reste une petite... Enfin, je vais extract, en fait. Il extract, hein, beau jeu. Je pense que je vais extract, parce que... Tu peux, de toute façon. Il me reste une capsule. Tu peux, en fait. Et ouais. Le truc, c'est pas extract, de jusqu'à temps que tu meurs, c'est juste de gagner en fait. Voilà les gars, on extract sur un beau jeu là. Regardez, alors... les gars, petit zoom sur le beau gosse qui gagne. Oh là là. Alors, ok, donc 5 points sur cette épreuve. J'en ai marqué 0. J'extract, c'est bon. Ah, j'ai une question. D'abord, quoi ? Ça dans une désertion, la filmer, la revoir en montage. Comme la défense, qui est en revoir en montage. La France a peur. Oh putain. C'est-à-dire qu'il faut que je tâte le terrain avant, parce que j'ai jamais joué de désertion dans ma vie, à part pour farmer Arrow, et j'ai farmé deux. Je l'ai first try une fois. Putain. Déjà, je sais même pas se situe la désertion dans cette map de. Saturne, je crois, non ? Saturne. Regarde, elle est éloignée du système stellaire qui manque tellement, elle pue la merde. Elle est retirée, elle est tout loin. Elle est rejetée de l'univers. Là. Elle est rejetée, mec. On regardera le spec, peut-être. Elle est ap- peut-être, elle est... si on a le temps. En vrai, c'est t'acquitte le spec, il peut gagner un rôle si t'arrives à extraire. J'avoue. En vrai, il meurt, t'extrais, toi. Ouais, tu meurs, mec, j'extrais. Vas-y, je t'expecte, mec. Pas de soucis, moi. Je suis là, je te soutiens. Pendant ce temps-là, je ferai le bot, un petit instant promo, le petit bot, là. Oh là là. Putain, bon bah écoutez, bah ça va être une désertion. Une désertion. De 20 vagues. Je te sens... content. Ouais. Mais je suis mort les gars, c'est limite où je vous parle par terre du temps comme en fumant. Hein. Mais du coup, je serai en désertion avec quel stuff? C'est une bonne question. Oberon. Oberon, genre comme ça, tu lâches que Oberon comme ça. Bon, non mais je propose Oberon. Bon, on est deux à décider pour lui là. Pas mal en vrai, pour la mission qu'il doit faire. Moi je t'avoue, j'ai jamais fait de désertion endless, mais ouais. Je crois que c'est pas mal. Moi non plus, j'avais fait, écoute. Je crois que c'est pas mal. C'est trop bien dans l'histoire de Warframe, je crois. Voilà, on le laisse dans sa PLS, on le dit Trinity, quoi. En vrai, Trinity c'est bien, il peut healer les mecs qui sont inclus. Faut pas qu'il meure, hein. Parce que regarde, d'arbitration gros. Ouais, mais toi, comment se met le 20 la mission? Et ça finit? Je sais pas, je connais pas le scaling des mobs dans cette mission. C'est plus que ça finit level 5000, c'est plus que ça finit level 100, je sais pas. Tu découvriras ça en live, hein, pourquoi? On va découvrir pendant qu'on te spec, on va être là, tranquillement, en train de carotter tes arrows. Et tes crédits, hein, que tu veux me faire gagner quand même un peu. Qu'est-ce qu'on pense? On lui donne Trinity, Oberon ou que. Je pense pas. Attends, je vais voir les frames qu'il y a. Non mais faites-moi plaisir, donnez-moi un truc bien. Qu'est-ce que tu souhaiterais, pourquoi? Faut que tu... Déjà, désertion, rappelle-toi que tu dois conduire des gars et les healer. Rappelle-toi bien de ça. Ouais. On peut les mettre invincibles ou pas? Je sais pas. Mais... Dis-toi, y'a pas de zéro, y'a rien qui empêche les sorts. Hein. Vu que c'est... Y'a pas d'arbitration, rien quoi. Après, est-ce qu'on veut vraiment lui donner un truc trop fort aussi? Bah, faut qu'il puisse arriver à le faire quand même, le pot. Oui, non. Ok, tu vois, par exemple, pour la défense, pour les 100 vagues que je lui ai donné, le Nefros, il peut le faire, mais c'est pas non plus la meilleure frame du jeu, tu vois. C'est ce que je veux dire. Ouais. Tant pour lui donner Sarine, si on veut vraiment aller dans ce sens-là. c'est plus map. Non, c'est pourquoi, voilà. Question. Qu'est-ce que tu voudrais, toi? Ne pas faire la diversion. Il est un peu trop tard, là, non? On est tout à l'heure, je crois. Est-ce qu'on te donne un choix entre plusieurs frames? Pour faire ça, c'est un peu ce qu'on a fait la dernière fois. Mais le point de la question, c'est est-ce qu'on lui mettrait pas le choix à Grendel? On ne connaît pas le mode, on ne connaît pas la frame. Est-ce que ça serait pas... Mais on sait comment la farmer. Ah, ça, c'est vrai, ça. On sait comment la farmer. Dans les fiches, je retrouvais notre vidéo sur Grendel, les gars. Ah, peut-être Equinox, en vrai. Ça dépend. Attends, est-ce qu'on veut lui donner quelque chose qui heal? Est-ce qu'on veut lui donner quelque chose qui heal ou on veut lui donner quelque chose qui tue? Qui fait les deux? Ou qui CC? En soi, dans ce mode, y'a pas besoin de tuer les mobs. Et Vauban, est-ce que ce serait pas fort là-dedans? Il est terrible, Vauban. Ouais, bah en plus, elle est forte. En désertion, honnêtement, je peux pas dire si elle est forte en désertion. C'est strong alors. Parce qu'il peut les CC tout en avançant avec les mobs, tu vois.
Ouais. Peut pas les heal. Mais. Mais à Oberon, il fait les deux, hein. Il est CC avec les radiations. Ouais. Ouais, je pense Oberon, pourquoi c'est pas mal. Mais on a le choix entre Oberon et. Bah, Trinity, comme t'as dit. Mais je trouve pas ça ouf. Oberon, il est Volt ou pas? Non. C'est le bot Warframe Trader. Le meilleur bot de tout l'univers. Créé par Tekken. https://top.gg et je connais plus l'idée du bot. Pour dire la suite de l'URL. Donc là, t'en profites pour faire ta pub. Ah, ça peut aider les gens, écoute. C'est vrai, ça. Ce fameux bot incroyable. Attends, t'as le choix en plusieurs frames. Oberon et quoi? Trinity, Oberon, Vauban. J'ai la flemme de jouer Vauban, c'est très simple. Je pense que le meilleur choix, c'est Oberon là-dedans. Je pense aussi. Trinity, je voudrais plus revoir ton visage à cause des effets que j'ai eu sur l'histoire. Du coup, ça sera Vauban. Ça sera Oberon. C'est la phrase dans la vidéo. Trinity, je pense, c'est la première personne, pas frame, je vais appliquer un format mort. C'était. Ah là 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 là. C'était. Et pourquoi as-tu revu ta question sur Trinity? Beaucoup de questions. Beaucoup de remises en cause. Avec peu de réponses. Avec peu de réponses. Du coup, ça sera Oberon. Ça sera, oui, Oberon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais la farmer. Et on se retrouve dans plus de 3 jours avec le Minecraft. Plus je vais attendre de faire ma tâche, plus je vais attendre de faire la mission. Et bon, le supplice. Donc, à l'année prochaine. Ouais. On se retrouve demain. Voilà, c'est demain. Parce qu'on aura tout fait. Fin du supplice.